Je m'appelle Abdelkrim Bichkou, donc je suis humoriste depuis 3-4 ans à peu près. Et puis mon parcours, bon, c'est vrai que c'est 2010 que j'ai eu la meilleure année, on va dire, en remportant les tremplins de l'humour, en assurant pas mal de premières parties, comme Thomas Ndijol par exemple, Titoff ou encore Patrick Timsit. Et donc voilà, ça, c'est assez agréable pour moi. Tout se passe bien, alhamdoulilah, comme on dit à la maison. Abdelkrim ! Oui ! Madame Béchu ! Hé ! Ça va ? Hé ! Monsieur le procureur ! Ok ! Monsieur le procureur ! Ouais 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 ! J'ai choisi ce secteur parce que c'est le mieux approprié pour moi. Je ne sais pas danser. Je ne sais pas faire autre chose que de l'humour, donc je me suis lancé plus dans le domaine du stand-up en fait. Hein, tu sais, c'est un art qui me permet d'être plus proche de mon public et puis de balancer un maximum de punchlines, de faire plaisir un petit peu à tout le monde en balançant le maximum de vannes sur autre chose. Et puis c'est ce qui motive à avancer. En général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public c'est « ça va ?» C'est comme si que ça allait changer quelque chose à son sketch si quelqu'un ne se sentait pas bien. C'est vrai, c'est con comme question. Mais attention, il y a une question encore plus con que ça va. Qui veut gagner des millions? Elle n'est pas trop con cette question. Tu sais, va poser cette question à un mec qui touche le RSA. C'est comme s'il va dire, non, voilà, en plus je vais le manger. Là, comment j'ai commencé à l'école, plutôt ouais, dans les années collège, quand on commence un petit peu à découvrir ses potes, etc., à tester un petit peu de vannes. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre ces vannes-là sur papier, et puis à démarcher un petit peu les maisons de quartier, les MJC, etc. Et puis voilà, c'est de là tout est parti. Des difficultés, ouais, bien sûr. Il y a toujours des gens pour te mettre des bâtons dans les roues dans ce milieu, c'est pas évident. Voilà, des fois tu vas au culot, tu demandes à des premières parties de te placer et malheureusement ils te placent pas, ce qui fait que justement ça te met la niaque et ça te permet justement d'avancer un petit peu. Moi je comprends pas, et sincèrement, attention, moi aujourd'hui vraiment je condamne les jeunes qui manquent de respect à leurs parents, je comprends pas, pourtant ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ont internet, ils ont les portables, nous à l'époque on n'avait pas de portable. Moi je me souviens à mon époque on avait le tam-tam. Aucune intimité, pas de vie privée. Par exemple, aujourd'hui, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui envoies un texto, tu sais, c'est entre vous deux. Avant, avec le tam-tam, tu devais passer par un opérateur qui envoyait le message à ta place. C'est-à-dire que le mec, il était au courant de toutes vos embrouilles. Quelle limite, des fois, il se mêlait, tu sais. Un jour, je me suis embrouillé avec ma meuf, j'ai appelé l'opérateur, elle a déjà décrit, bon, là, je ne m'envoie pas ça. T'es encore, moi. La double culture, c'est très important parce que. Voilà aussi, en France, on est toujours étranger, on dit toujours, ouais, voilà, les Maghrébins, comment ils sont perçus. Et justement, ça me permet justement de donner une bonne image voilà, du Maghreb, des rebeux en France. Et puis voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi. Je suis fier de mes origines et j'ai envie de montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est issu d'une famille rebeux ou renois que voilà, je veux montrer qu'on peut s'en sortir, quoi. Pour un entretien, il faut venir bien habillé. C'est très important. Si vous venez habillé comme un Zaïrois, ça va pas le faire. J'ai rien contre les aérois, j'aime bien jouer le fluo, c'est pas le problème. Non mais excusez-moi, c'est quoi ces couleurs bizarres que vous mettez? Le Maroc d'aujourd'hui, c'est la modernisation. Inch'Allah, ça continue d'évoluer dans ce milieu-là, c'est bien, quoi. Je souhaite, Inch'Allah, que le Maroc se modernise de plus en plus. Ouais, l'Europe d'aujourd'hui, c'est assez chelou avec toutes les lois qu'ils font. On va dire, je m'adapte, hein, t'as vu, moi j'avance avec la crise et tout ce qu'il y a. Et les jeunes, ils ont même Internet. Tu sais, c'est facile pour eux aujourd'hui de trouver une meuf, par exemple. T'as des sites qui sont faits pour ça. T'as Mythic, t'as Badou. Bon, le problème des mecs aujourd'hui, ils ont plus de limites. Ils commencent à draguer un petit peu sur n'importe quel site. Ça commence à draguer sur Facebook maintenant. Tu sais, demande un ami alors qu'ils te connaissent pas. Ils se mettent en couple avec des meufs qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et ils ont tellement la dalle que bientôt vont commencer à draguer sur le bon coin, tu sais. Ceux qui pratiquent l'humour, leur conseil que je peux leur donner, c'est ne lâchez rien.
croyez en vous, écrivez, et puis Inch'Allah, que, comme on dit, quand on veut, on peut. Donc croyez en vous et les portes s'ouvriront, Inch'Allah. Les projets, j'en ai pas mal, j'ai envie d'écrire déjà mon premier spectacle, de marquer un gros coup, j'ai envie de me démarquer un petit peu des autres humoristes qui font un petit peu la même chose. J'ai envie de créer un petit peu du nouveau, faire quelque chose d'original. Et puis voilà, je prends en moi et on va y arriver. Je vais m'arrêter sur cette note. Abdelkrim Bishkou, merci à tous. Sur la...